Yo tout le monde, c'est Frill pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se trouve pour une vidéo un peu spéciale les gars, une petite vidéo d'astuce Kama sur ma série Road to 20 millions. Donc ça y est, c'est la suite de mon épisode, donc je m'excuse car j'ai eu une petite semaine d'absence. Car j'ai beaucoup de choses à faire IRL, donc des projets pro et voilà. Donc je m'excuse un peu d'avoir mis ma chaîne un peu de côté, mais on va continuer maintenant sans attendre. Alors, on continue les vidéos au calme et on va continuer notre petit Road to 20 millions. Donc là j'étais sous brumaire, je me suis reconnecté, j'ai 700 000 kama les gars, putain 700 000 kama, ça c'est bien cool. Je vais pouvoir crafter plein de trucs et je vais pouvoir faire ma dernière vidéo à Astrub avec vous. Franchement merci de m'avoir suivi jusqu'à là et toujours d'être là sur ma chaîne, franchement merci. N'oubliez pas de liker la vidéo pour que ça continue, absolument, ça c'est important les gars. Et voilà. Bon les gars, j'ai trouvé sur Hagrid, j'ai fait ma petite team et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai acheté un petit stuff ça pour mon FK et j'ai acheté une baguette et j'ai pensé à crafter cette baguette sur le serveur. Je me suis dit autant elle est rentable. Donc c'est la baguette en arachnide et là je viens de voir à l'instant qu'elle est ultra rentable. Donc je vais directement en craft 10 au moins. Attends, j'ai. Si c'est pas une connerie. Ouais, je vais direct aller en craft 10 et on va aller vendre ça en HDV. Même 20, mais je vais en craft 20, je m'en bats les couilles. Enfin, j'en craft 20, mais on s'en fout. Donc c'est parti. On va aller craft ça tout de suite. Il m'en faut 20. J'ai pas trop de pods, c'est parfait. On va aller en craft 20 au moins. Ça va être fait, ça va être crafté. Et je pense que ça va se vendre comme des petits pains. Comme vous le savez. Ah, j'ai oublié les racines. Comme vous le savez, les items ça. C'est une astuce Kama de fou. Parce que tout le monde achète des items ça. Surtout les achats, ils ont plein de thunes. Ça, ils comptent pas quand ils font leur achat. Ils comptent même pas. Donc on s'en bat les couilles. On prend. Arachnid. Donc 11 x 20. 11 x 20, ça fait 220. Ah, c'est n'importe quoi, 220. Ça coûte un peu cher, mais on s'en fout un peu. Voilà. 220, c'est fait. Maintenant, on va aller. On prend le même. Oh, on s'en bat les couilles, on va gagner du temps. On va aller prendre directement le petit zap. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment vous abonner normalement. Sans dépenser beaucoup de kama, je crois que Farum il a fait la vidéo avant moi, mais bon, je l'avais annoncé, donc je vous expliquerai quand même comment on fait pour s'abonner avec le minimum de kama possible. Parce que je pense que cette astuce, certains là, ben, qu'est-ce que je fais là, les certaines personnes savent cette astuce, mais certaines personnes se font avoir encore. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien vous la présenter, et au moins vous serez au courant de l'astuce. Donc n'hésitez pas à rester connecté pour des nouvelles. Pour économiser des kama. Donc là on va clairement acheter ça à l'unité, ça coûte pas cher. J'en ai 6, j'en ai 8. On va en acheter 20 directement sans se prendre la tête. Allez poteau. Allez. Voilà, encore un. Voilà. Et les coins de sanglier, 9 x 20, 9 x 2, 18, 180. Coins. Coins de sanglier. Et en ce moment je fais aussi pas mal de poker. Vous allez me dire mais qu'est-ce que tu viens foutre avec ton poker dans l'office. Je joue pas mal au poker sur Winamax et tout. Donc si vous voulez que ça vous intéresse des petites vidéos hors série sur Winamax pour vous montrer un peu comment on fait pour gagner un peu d'argent IRL et avec cet petit argent, pourquoi pas vous acheter des kama, vous acheter des ukraines pour vous faire plaisir. On a le prix d'abuser là, mais bon, moi, c'est quand même. Voilà. Et je vais même en acheter 100 et je vais aller en vendre. Ah, j'ai plein de trucs à vendre, moi je m'en fous. Je vais les vendre, allez, par 10. Prenez ces âmes. Voilà, les graines de sésame, on les retire, on va les mettre en vente. Parce que là, ça va plus, le prix. Ça ne part pas. Voilà, les graines de sésame. On va les vendre. Au calme, voilà, bon. On va directement aller acheter les petites en mode arachnide pour finir les 20 petites baguettes. On va les vendre ça à 22 000 kama unité. Et ça va nous faire 20 x 22 000. Ça va nous faire au moins du 450 000 kama de bénéfice. Donc ça au moins. Donc je vous prie de ne pas faire la même astuce s'il vous plaît sur Brumaire le temps que ça se vende. Ce serait vraiment cool. Parce que j'ai remarqué que par exemple mes bottes de bouffe royale qui étaient à 80 000, ils ont presque niqué tout le prix et je suis limite plus rentable. Donc moi, je fais l'effort de vous mettre les épisodes très rapidement, sans mettre de latence entre
entre chaque épisode, donc évitez de niquer tout tous les épisodes. Hello, c'est la première fois qu'un abonné me MP sur Brumaire. Yo, premier abo qui me MP sur Brubru, le serveur de fou. Donc voilà. Donc grosse dédicace à toi, Kuzazotor. Pas que je. Ah, c'est encore les fragments magiques là. À l'ancienne. Ouais, on s'en fout. Ouais, grosse dédicace à toi. T'es en pleine vidéo, bro. J'ai fait vidéo. Voilà. Ça fait plaisir que les petits abonnés sont là. Donc c'est quoi qu'il faut, c'est les ambres ou les ambres de Brackneed? J'espère que c'est les ambres de Brackneed. Ah, pas le bestiaire, les poteaux. La viette. Ah, c'est le banc de Brackneed qu'il me faut. Ça coûte même plutôt 60 balles les couilles. Voilà, il m'en faut 20 les poteaux. Allez, on se met au groupe, hein, pas de soucis. Hein. Y'a pas de soucis. Il est niveau 130 avec son petit archiduc. C'est un compagnon que j'ai jamais testé. Faut peut-être le tester un jour. Et on va les craft. On va les craft ça et voilà. Il dit coucou YouTube et on va. Et en même temps, je vais parler avec lui. Voilà. Tu fais l'animation dans ma vidéo. Donc si vous êtes sur Hagrid et que je filme, bah, je pense que je vais inviter les gens. Je fais un groupe et tout. Comme ça, dans la vidéo, vous pouvez parler tout. Ça fait un peu de l'interaction et ça vous fait aussi participer un peu à la vidéo. Ça va être super cool, donc j'aime bien faire évoluer un peu ma communauté un peu comme ça, tu vois, comme ça au moins vous n'êtes pas que des viewers, vous êtes un peu plus que ça pour moi, donc dispo à Astrub pour craft 20 baguettes. On va aller flou d'un peu le chat. La baguette elle est niveau combien? Je change de nom d'Astrub, niveau 35. Il arrive le poteau. Merci beaucoup à Minou et le. Je t'attends. Donc, j'avais combien de kamas? Donc là, j'ai dû mettre au moins 100 000 kamas dans le craft. Et là, j'ai tout pour craft les 20 baguettes, les poteaux. Ça va faire du bien un peu au kama. Ah là là. J'ai dit que je restaterais mon Enu, mais j'ai la flemme. Par contre, il va peut-être falloir que je le augmente de niveau parce que je sais pas si je vais avoir accès à tout après en étant abonné. On verra bien comment on va faire. Bon, je m'en bats les couilles, j'ai niveau 20, je vais avoir 20 millions de kamas. Et si je réussis mes 20 millions de kamas, je donnerai à mon abonné le plus actif 10 millions de kamas, franchement. Donc, franchement, à mon abonné, franchement, qui sera plus actif sur toutes mes vidéos, bah, je lui donnerai ce qu'il faut. Je donnerai la moitié. Il n'y a pas de souci pour ça. Direct, je balance, voilà, c'est dit. Ah, aïe, aïe, je crois qu'on a fait tout d'un connerie. Hop, on va demander deux crafts. Je donnerai 10 millions de kamas à mon abonné plus actif quand j'aurai fini la série Road to 20 millions. Parce que moi, franchement, les 20 millions sur Brumaire, ils me serviront pas à grand chose. Donc, et voilà, donc j'ai mes 20 baguettes. On lui dit merci à toi. Et on va aller tout de suite vendre ça en HDV, les gars, franchement, là on est bien. Et on va les vendre ça à 25 000 kamas. Bon, je vais mettre les 20 en vente. Hein. Bon, je sais qu'elles partiront jamais, mais bon, on s'en bat les couilles. On sait jamais. Hein. Pas mal de plongée, hein, 27. Voilà. Ça c'est fait, il me reste encore 50 000 kamas à. Bon, je vais pas aller ici. Encore 500 000 kamas à dépenser. Donc on va aller tout de suite à l'HDV des tailleurs et des coordonnées. Trouver encore une petite astuce. Et après, je pense que ça va être bon pour la vidéo, les gars. Là, c'est quoi qu'on tourne. Ça fait 9 minutes. Ah, 9 minutes, c'est tranquille. C'est pour me faire pardonner de faire une bonne petite vidéo. Parce que c'est pour me faire pardonner que j'ai pas été là pendant un certain temps. Donc voilà.
Et les Bouftou bots sont toujours là en vente. Donc on va les retirer. On va les remettre en vente directement. Je me suis toujours posé aussi une petite question, les gars. Franchement, si vous pouvez me répondre, c'est est-ce que il vaut mieux modifier le prix directement en HDV ou si on les retire et on les remet en vente, on paye la même taxe. C'est vraiment la question que je me suis posée. Parce que là, je paye 700 000 et là, si je modifie par exemple. Ah ouais, non, je paye deux fois moins. En fait, c'est bon, je vais rien répondre à la question tout seul. Donc voilà, ne retirez pas vos objets en vente, modifiez-les directement en HDV. Je sais qu'il y a des bots qui vendent pas mal juste aux bots, je sais que j'en ai vendu pas mal sur la grid, mais ça c'est pas craftable. Erdala. Donc voilà, et... Donc je pense que c'est pas craftable comme je le disais sur la grid, donc on va voir ce qu'il y a pas mal. Pas craftable non plus. Y a pas grand chose les gars, y a pas grand chose. Et les ceintures, y a quoi comme ceinture? Ceinture c'est pas mal, je crois que j'ai déjà regardé dans une précédente vidéo. Et ouais, c'est Boxy, c'était l'état. Ouais, ça m'a touché. Bon. Et là j'ai l'autre tueur, tiens. Je vois 20 000 quand même. 5 000. Ouais non, on est beaucoup trop gros. Je sais pas quoi ça sert ça. Mais non, c'est pas craftable non plus. Ouais, pas grand chose. Hein. Ah, la boucle c'est bien ça aussi. Poil de Wolverine. Ah, 66, c'est pas faisable. Ah, y'a pas grand chose. Je serais bien du petit FM, mais je peux pas encore. C'est un peu chier. Y'a pas grand chose, les gars. Voilà, je ne sais pas quoi vous devant, mais je suis pas sûr que ça se vende ça. 7 000. Je serais bien chaud d'en crafter quelques-unes, mais qui met ça quoi, qui met ça franchement, qui met ça, dites-moi. Est-ce que les bots Tarsi sont partis? Oui, les bots Tarsi sont partis. Est-ce que les recrafter ne manque pas parce que il y a l'étain, le fer. On va directement à l'HDV détailleur et il craft peut-être les coiffes de classe parce qu'on avait dit que c'était rentable, donc on va aller voir ça tout de suite. Ah là là. Coffre de classe, c'est quoi ton coffre de classe qui était pantalon? Voilà. Alors il y a le chapeau lifi. Ah, ça coûte que 10 000 kama. Je crois en vente, rien du tout en vente. Ça coûte combien? 1000? 4000? Ouais, non, t'oublies. 4000? Ouais, peut-être ça fait le double. Hein. C'est pas fou, il y a lui qui est pas mal. Bon, en fait, il y a tout qui est acheté un peu. Peut-être bonne espérance. 1000. Ouais, c'est un peu rentable. Pas grand chose à faire. Ouh, la Hugonette, 5 millions. Voilà. Et nous allons continuer ça tranquillement. Non, ça c'est pas craftable non plus, ça c'est pas craftable. Je sais pas à quoi ça sert. Ça sert à rien. Peut-être les amis papillés pour les panneaux pupés, mais c'est même pas possible, pas craftable. Il y a si, les masses et caniboules. Je sais que ça se vend. Alors il faut une staff de bocage, un lait de tortue, des noix de coco traumatisées, des bubliers forts, 4 crobates. Et vas-y, on va voir. Bocage, 300 kama, 600 kama. On va même
20 000, 22 000, 22 000, oh là là, 30 000. On va directement faire des max de cannibale. On va faire plein. Donc c'est parti, on va faire ça. Après, on arrêtera la vidéo, les gars. C'est parti, on va aller à l'HDVD. Ah non, non. Hop. On va à l'HDVD d'avoir des bûcherons, puis des alchimistes, puis des ressources. Ouais, non, c'est mes racines. On en craft 20. On en craft 20. Non, à 10, 10, 10. On fait pas trop les fous sur ce coup-là. Ouais, non, on en craft à les 20. On s'en bat les couilles. Allez, non. Allez, 15. On coupe la prendo, on a craft 15. C'est parti, bocage. Sur ta deux bocages, il m'en faut 15. Tac. Parfait. 10. Ah, j'en ai acheté 16. Ah, je suis un peu trop pressé. 4, 4, 4, 9. Voilà. Après, on va aller à l'HDV. Ah, des racines. J'ai oublié. Racines de Bublifort. C'est parti. Bulle. Bubifort, racine de Bubifort, nickel. Alors là, on va sortir la calculatrice, 1, 2, 2, 4, 4, 4, elle est là. Alors 8 x 15, ça fait 120. On va acheter l'infinité, clairement. C'est pas rentable du tout, acheter à la centaine. Donc on peut voir là-haut, en haut à droite, que le stack il augmente. 80, 100, 120, parfait. Pâte, antenne, coco fruit, c'est bon. On a acheté le reste en HDV. Sans tarder. Ouh. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir les gars, franchement. Hein. N'oubliez pas, vous me dites un peu ce que vous en pensez, ce que vous me conseillez. Ah mais j'avais oublié les collègues qui étaient là. Voilà voilà. Sinon. Comment ça va sur Brumaire? Comment ça va, ça va, ça va? Voilà ta gueule. Commence pas à chanter comme un connard. Ce n'est pas rendu. Mais de tortue. On a acheté 15 aussi, comme on a dit. On a acheté la minute. Est-ce que c'est moins cher? Voilà. Noix de coco. Noix de coco traumatisée. Alors là, il m'en faut 12 x 15, il m'en faut 180. Oh là là. Là, ça va utiliser les camas, les gars. Là, on est dans la merde. Ah! Il n'y en a pas assez. Il va falloir lâcher à l'unité. Il y en a la merde. Putain. Je peux montrer au double du prix maximum. Je peux plus. Putain. Putain, il n'y en aura jamais 180. J'achète encore 100 à 2000 km. Et voilà, il n'y en a plus. Donc 83, 89 000 divisé par 12. Je vais en casser que 7. Donc c'est pas grave, j'aurai le reste pour le reste quoi. Mais je suis choqué que c'est toi, Frim. Il n'y a pas de souci. De soucis, j'aime être proche de mes abonnés. Je suis pas une star, les gars. Faut franchement arrêter. Hein. Je suis un grand random de YouTube en mode je fais mes vidéos pour m'éclater. Donc là, on a dit 7. Hein. 13 x 7, ça fait 81. Ouais, on va acheter. Combien 91? Il stresse, faut pas gros. Et là faut les pattes de canne creux. Canne. C'est bien ça hein, ouais, canne creux. Il dit merci frérot, y a pas de soucis. Elles sont les pattes, pattes de canne creux, elles sont là. Ah non c'est les antennes de Vince. Vince ok. Vince je sais pas quoi là, Vince. Vin. Bah, Vilinseke, oh là là. Oh là là. Donc là, on a dit 12 x 7, 88. Donc on a acheté à l'unité, ce que c'est pas cher. On profite. Ça coûte rien.
Allez, 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 on va crafter ça en 2-2 après. Et on va finir la vidéo. Ça fait 50, il m'en faut 84. Voilà, tout acheté. Voilà. Voilà. Allez, on va en acheter 74. Et après, je l'achète en dizaine parce que là, ça me saoule. Voilà, parfait. 84. Donc là j'ai tout ce qu'il me faut, on va aller vite crafter ça. Ah, je vais détailleur. On va finir la vidéo là-dessus les gars. Donc vous avez vu, j'ai utilisé au moins 400 mécamas. Donc j'espère avoir enfin le million de kamas après ces petits masques, ces petites ressources et ces petits tout. J'irai revendre au passage les petites ressources que j'ai achetées. Bon, vous avez vu qu'il y a des petits bots qui envoient des messages dans le chat. Surtout ne cliquez pas dessus, ne faites rien du tout. N'interagissez surtout pas avec, parce que vous allez avoir des petits problèmes après de hack. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Je voulais vendre mes ressources, mais franchement, il n'y en a pas vraiment pour masse. Donc, on va appeler un petit taille en niveau 50 pour crafter les petits masques qui apprend les dents. Ça, et ça va être la fin de la vidéo, les gars. La petite fin de vidéo. Hop là, on va voir si lui t'es tailleur. Je suis en train de le faire là. Je te laisse le découvrir en vidéo. Je pars, je suis à la fin de ma vidéo. Après, si tu veux, on parle. Parce que je vais pas non plus. En fait, je veux dire que je connais pas les astuces qu'il y a sur le serveur encore. Astrup. Bon, je crois que le poteau il a mal compris, il a cru que j'étais à bon tas, mais je suis pas abonné, il faut bien comprendre. À toutes. Donc là on va faire 7 fois, on va dire 4. 75 000. Ah merde. 7 fois 75 000. Oh, ça fait du 500 000 kamas, franchement, ça c'est pas de sa mère. Qu'est-ce qu'il fait le poteau? Il est à... Ah il est là, je pense qu'il fait des blocs ou des mécaniques. Tant de pierres, c'est tant de pierres là. Il va faire des... Ah bah il a été indiqué. Voilà voilà. Donc le poteau il va arriver. Petit tailleur là, il m'a pas répondu. Je sais pas si encore sur la série je vais monter des métiers ou pas. A voir, c'est rentable. Il est là le poteau. Craft 7 masques du cannibal, on le fait passer du niveau 50 au niveau 55, même 35 niveau grâce au petit frill. Franchement, il a géré et j'ai géré aussi. Merci à toi. Merci à toi, poteau. Et on va les vendre les petits masques. Donc 66 999. Ah, il va me faire un petit échange. Alors là, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui se passe? Il m'a donné un petit but de bouture pour le skin, une poudre de résurrection. Et pète sa mère. Moi, je lui donne ça. En échange. Vas-y, je lui donne tout ce qui me reste en échange.
Ah, il me donne gratos en plus, quoi. On va lui prendre gratuitement, franchement, il a géré. Merci beaucoup. Pour le skin. Ah, je suis un petit frérot, donc on va mettre directement le petit Bulbouture à côté de moi. Bon. Donc voilà, donc c'est parti. Et puis, les gars, franchement, n'oubliez pas de vous abonner. Donc, hop là. On se retrouve. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner pour la petite vidéo. De liker et tout et tout. Et de vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, peace!